Bon, du coup, le manchot Mbidalo, ça ne va pas sur la pipe Doppler, parce que la rainure à l'intérieur du manchon, là, que ce soit d'un côté ou de l'autre, elle est assez profonde. Enfin, elle est assez loin dans le manchon, alors qu'au niveau de la pipe Doppler, c'est assez près. Après, on vient buter contre l'épaulement là-bas. Donc, on ne peut jamais venir mettre la petite bosse intérieure du manchon dans la gorge autour de la pipe. Donc en fait, la pipe, elle se monte que sur la partie lisse. Et en plus, la partie bombée de l'intérieur du manchon a tendance à faire glisser vers l'extérieur. Donc ce manchon ne va pas du tout. On va essayer celui-là. Celui-là, il a l'air pas mal. Faut que je prenne les mesures, mais la petite bosse à l'intérieur a l'air bien plus proche et correspondre à la pipe Doppler. D'un côté et de l'autre. Donc à voir quelle est la meilleure position, voir aussi avec le carburateur. Donc que je mette d'un côté ou de l'autre, ça change. Parce que la partie centrale là, butée là, elle est pas au milieu du manchon, j'ai l'impression. Une partie plus longue d'un côté que de l'autre. Donc à voir quelle est la meilleure position à mettre en place. Bon, finalement je vais partir sur ce manchon là du coup. Je ne connais toujours pas la marque, je ne sais pas d'où il vient. Du coup, la distance entre la lèvre ici et le bout, on a un peu plus de 6 mm. Au niveau de la pipe Doppler, entre l'épaulement au fond, c'est-à-dire entre ça et le début de la gorge ici, on a 5 mm. Donc, je vais enlever un petit millimètre de caoutchouc ici, comme ça. Cette lèvre ira très bien dans la gorge du Doppler et ça sera ce sera bien solidaire. Et après, de ce côté-là, pour le carbu, c'est très bien. Bon, la lèvre, elle est trop au bord par rapport à la gorge du carburateur. Mais bon, vu qu'il y a beaucoup de longueur de guidage, ça va bien tenir comme ça. Donc voilà ce que j'ai découpé du manchon. J'ai enlevé 1 mm à partir du cylindre intérieur. Voilà, et je suis parti progressivement vers l'extérieur. Donc un tronc de cône là. Bon, ben voilà, comme ça c'est parfait. Donc comme on avait la distance entre l'épaulement de 5 mm jusqu'au début de la gorge, j'ai fait en sorte d'avoir un peu moins de 5 mm de zone cylindrique avant la lèvre. Donc avec le cutter, j'ai découpé ça un peu comme un cochon, mais pas grave, ça marche très bien. De façon conique, pour garder l'épaulement ici pour le collier. Et comme il n'y a pas beaucoup de matière sur l'épaulement de la pipe, de façon conique, ça marche très bien. Donc du coup maintenant, c'est très dur à mettre parce que il faut bien passer la lèvre sur la gorge Doppler. Donc vraiment, c'est une bonne prise, ça veut dire. J'ai fait une petite encoche aussi comme ça, parce qu'on arrive sur la vis de fixation de la pipe, et donc du coup ça me bloquait un peu le manchon. Et là comme ça passe super bien. Donc, hop, on va essayer de le passer. Alors déjà, c'est assez dur à le mettre. À le mettre au début, et après il faut arriver à passer la lèvre par-dessus la pipe. Et là, c'est pas une mince affaire. Là, ça y est, c'est passé. Donc là, il s'est bien clippé. Et là, il bouge plus. Donc la petite découpe que j'ai fait pour la vis, c'est nickel. Comme ça forcera pas de travers quand il y aura le collier. Là, c'est bien clippé sur la lèvre de la pipe. Là, je vais bouger toute la mobilette là, en tirant sur le manchon. Donc c'est très bien. Et même là, si on a un beaucoup plus long guidage sur le carbu que sur la pipe, et bien, c'est quand même la pipe qui garde le manchon. Donc là, tout est bien solidaire. Et quand je tire sur le carbu, c'est le carbu qui sort. Tellement c'est bien solidaire sur la pipe. La lèvre correspond bien par rapport à la pipe, donc plus le collier, il n'y a pas de raison que ça sorte. Et là, vu la longueur de guidage, la lèvre sur le manchon ne correspond pas à la gorge, mais c'est pas grave, vu le guidage, ça devrait tenir. Au pire, si cette configuration-là me plaît bien.
C'est pas au pire, c'est ce que je ferai. Je ferai une deuxième gorge sur le carburateur qui correspond à la lèvre du manchon ici, qui est plus proche. Aujourd'hui, là, je pense que la lèvre là qu'il y a dans le manchon, elle doit tomber ici sur le carbu. Donc je ferai une deuxième gorge ici. Et là, il n'y a pas de raison, ça ne tombera plus, ça ne bougera plus. Et ça sera très très bien. Allez, donc on va revoir les réglages du carburateur. Donc le manchon Bidalot, il ne correspond pas du tout à la pipe Doppler. Par contre, il correspond très bien au carburateur. Donc c'est-à-dire que la lèvre du manchon tombe très bien dans la rainure du carburateur. Donc ça tient super bien. Et ce manchon-là de Athena Bidalot, je ne sais plus c'est lequel, Bidalot, ouais. C'est la deuxième lèvre, enfin, il est symétrique celui-là. Donc autant d'un côté que de l'autre. Et la deuxième lèvre tombe très bien sur la pipe mal aussi. Donc le carbu PHBG avec la pipe mal aussi, ça tombe très très bien. Donc là, la lèvre du manchon tombe sur la première gorge de la pipe. Et du coup, ça tient super bien comme ça. Ce qui n'est pas le cas avec la Doppler. Avec la Doppler, ce manchon il va bien. Je ne sais pas ce que c'est comme marque, j'essaie de retrouver. Mais celui-là, il va très très bien. Le manchon Doppler, il va parfaitement bien, évidemment, aussi. Lui, il va vraiment très bien. C'est-à-dire que d'un côté, la lèvre correspond à la pipe Doppler, et la butée aussi. Et de l'autre côté, la lèvre correspond au carburateur. C'est-à-dire que le manchon n'est pas embuté contre l'épaulement du carburateur, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme ça. Il est un peu comme ça, en retrait, mais ça tient quand même. Par contre, pour mon cas, ce manchon étant plus court, le carburateur est trop proche de la partie ici du ressort moteur. Donc j'ai la cuve du carburateur qui tape ici, malgré que j'ai mis des coups de lime. Ça suffit pas, donc je préfère mettre un manchon un peu plus long. Et là ça passe. Bon, du coup, le carburateur n'est plus aussi proche que de la pipe, donc une petite cavité plus grosse là. Surtout que là, on passe de 15 mm à une cavité plus grosse en 25 mm, je crois. Et après, on repasse sur la pipe Doppler qui est en 18,7. Bon, mais ça fera ce que ça fera. Hein. Voilà, on va essayer comme ça. Donc pour le réglage carbu, hier j'ai essayé de dégrossir un peu le gicleur principal et le gicleur de ralenti. Bon, j'ai pas réussi, en plus j'avais pas beaucoup de temps donc, et j'avais pas pris tous les gicleurs avec moi, donc c'était l'échec. Plus le manchon qui sortait, bon, c'était totalement l'échec. Donc aujourd'hui j'ai regardé sur le site de Delorto pour un carburateur PHBG 15 BD, ils le vendent avec un gicleur de ralenti de 50 et un gicleur principal de 72. Comparé au SHA qui le vendent avec un gicleur principal de 68. Donc déjà c'est le même diamètre mais ils n'ont pas le même gicleur principal par défaut. Bon, de toute façon un carburateur quand on l'achète neuf, c'est jamais les bons gicleurs qui correspondent au moteur. Il faut vraiment autant jouer au loto à ce moment-là. Mais au moins ça donne une idée. Donc comme hier j'ai vu que le 40 était trop pauvre parce que j'avais trop l'accélération en partant du ralenti. Et qu'en 50 j'étais trop riche. Parce que même brouté avant, à partant du ralenti aussi, j'ai mis un gicleur 45, un gicleur de ralenti ici de 45. Maintenant pour le gicleur principal, je vais mettre un 80. Je sais que c'est beaucoup trop gros, mais je veux m'en assurer. Donc le but, ah j'ai perdu l'axe. Là. Le but, c'est, je veux justement la faire brouter à haut régime pour être sûr d'être riche. Comme ça, je redescendrai un gicleur. Bon, bah avec ce manchon, c'est très bien. Ça tient bien. Il est plus rigide que le bidalot. Il y a de la place pour osciller. On dirait pas trop, mais il y en a. Ça touche pas sur le ressort. Ça touche pas sur la boîte à kick. Donc, très très bien. Donc, le gicleur de ralenti, je suis pas trop mal avec le 45. Ça sera à vérifier dans un deuxième temps. Donc, hier, j'ai réussi à dégrossir le gicleur de ralenti. Donc, 50 trop riche, le 40 trop pauvre. 45, on devrait être pas mal. Donc, on va arrêter sur le gicleur de ralenti pour l'instant. Je vais dégrossir le gicleur principal, donc 80 c'est sûr c'est trop riche. Donc je repars de 80 parce que j'ai changé le ralenti, le gicleur de ralenti. Donc je repars de 80, c'est sûr ça va être riche. Mais au moins je le sais, je pars de trop riche. Donc ça fait le 4 temps à plein, à fond, sur la béquille à fond, si ça fait le 4 temps, ça sera trop riche. Donc je descendrai de 5 points, je tomberai à 75.
Donc à 75, je remonte, je raccélère sur la béquille à fond. Si ça fait encore le contretemps, que ça ne veut pas prendre les tours à fond, c'est que c'est trop riche, donc je redescends encore peut-être de 3 points. Et jusqu'à que j'ai un comportement correct du moteur. Et là, à partir de là, je ferai des essais routiers pour déterminer avec la couleur de la bougie quel gicleur principal il me faut. Donc déjà, on va déterminer, on va dégrossir le gicleur principal. Bon, là on est d'accord, je suis extrêmement riche. Donc on voit sur la première vidéo avec le filtre, la moto, la mobylette, elle fait le quatre-temps, donc vraiment elle ne veut pas prendre les tours. Elle est gavée d'essence, ça marche mal. Et j'ai, pour bien confirmer ça, j'ai fait un essai où j'enlève le filtre, donc j'apporte plus d'air, donc du coup il y a moins d'essence. Et là ça marche mieux. C'est pas ça encore, ça fait toujours le quatre-temps, mais ça marche déjà un peu mieux. Donc là, je sais que je pars de très riche et on va descendre de 5 points à 5 points jusqu'à trouver un comportement correct du carburant du moteur. Donc là, on passe de 80 à 75 au niveau du gicleur principal. D'ailleurs, on peut le voir, l'admission est complètement remplie d'essence. C'est beaucoup trop riche. Donc ça, il ne faut pas rouler longtemps comme ça, sinon on met en courge la bougie. Donc là, j'ai fait un petit tour rapido pour remettre en température le moteur. Donc j'ai pas fait ça longtemps. Mais il ne faut pas rouler comme ça, quoi. Donc là, à fond dans les tours, elle bride aussi, elle fait le quatre-temps, donc gicleur trop riche. Mais par contre, à bas régime, ça commence à être mieux, il n'y a plus le trou à l'accélération. Mais bon, ça, on la finira dans un deuxième temps. On va d'abord dégrossir le gicleur principal. Donc là, je vais encore baisser de 5 points le gicleur principal. Enfin, 5 points, ça me paraît pas mal, j'ai plutôt descendre de 3 points. Voilà, ça va essayer du 72. Donc là, gicleur 72 au lieu de 75, donc ça va déjà mieux à haut régime. Bas régime, ça part bien aussi. Donc le ralenti, il a l'air pas mal. Le gicleur de ralenti en 45 a l'air pas mal. L'aiguille a l'air un peu grasse, mais bon, ça on verra après. Gicleur 68 à la place de 72. Vu comme c'était riche, je préfère descendre de 5 points directement. Il n'y a pas de risque là.
un joli trou à l'accélération. Et puis après, avec les vibrations, le carbu est sorti. Heureusement, il n'est pas sorti entièrement, comme il est bien guidé là, il a une bonne longueur. Il a glissé avec les vibrations. Donc il va falloir vraiment que je fasse cette deuxième gorge sur le carburateur pour que ça se prenne bien dans la lèvre du joint, du manchon. Bon, du coup, la vis de richesse, je l'ai desserrée au fur et à mesure que j'avais de moins en moins le trou à l'accélération, à partant du ralenti. Donc là, ça va pas trop mal. Le haut régime, ça va bien, ça broute pas. Et il faudra vraiment que je fasse cette gorge sur le carburateur parce qu'il est encore sorti. Sûrement quelque chose. Donc là, j'étais desserré de 3 tours au niveau de la vis de richesse. Donc serait mérité de passer sur un gicleur de ralenti plus gros. Donc là je suis à 45, le 48 aurait pu être bien. Je pourrais essayer avec le 50 pour voir si en vissant la vis de richesse à un tour de moins, ça pourrait avoir un bon réglage. Je sais pas. Faudrait regarder. Bon là je me suis remis à 2 tours et demi. On va dire c'est en général le réglage maximum qu'on s'autorise avec la vis de richesse. Donc on va regarder comment on roule dans ces conditions-là. Bon, il y a toujours ce trou à l'accélération malgré que je sois desserré de 3 tours. Donc c'est à dire qu'elle a besoin d'essence au ralenti. Donc on va lui en donner, je vais repasser sur le gicleur de 50. Le gicleur de ralenti en 50. Bon, il n'y a plus trop l'accélération, donc le gicleur 50 il va pas trop mal pour le bas régime, mais par contre ça fait à nouveau le 4 temps à haut régime, donc il y a trop d'essence, donc c'est à dire que le gicleur de ralenti apporte trop d'essence aussi à haut régime. Le 48 aurait été bien, je pense, vu que là je suis à moins un tour, je peux pas resserrer la vis plus. Je pourrais, mais c'est pas conseillé de rouler comme ça, donc normalement il vaudrait mieux passer sur un gicleur de ralenti intermédiaire. Le 48, je ne l'ai pas. Du coup, je vais descendre un peu plus en gicleur principal. Bon, pour compenser, j'ai mis un gicleur principal de 65, donc 3 points de moins. Donc on est toujours avec le gicleur de ralenti 50 et la vis de richesse desserrée d'un tour. Et on va voir comment ça se comporte à haut régime. Première vue comme ça a l'air d'être pas trop mal. Il y a
un petit trou à l'accélération et le haut régime il n'est pas saturé, donc il faudrait essayer en roulant pour voir maintenant et regarder surtout la couleur de la bougie, parce que si on est trop pauvre en gicleur principal, faut faire attention. Suite à l'essai, donc là j'avais tourné toute cette vidéo avant de diffuser la première vidéo, donc j'ai pas pu tenir compte de vos commentaires de la première vidéo, mais j'ai tout noté, c'est très intéressant, vraiment merci, je vous remercie tous. C'est vrai que le boisseau 30 degrés permettrait de faire arriver moins d'air au ralenti et permettrait peut-être de combler ce trou, parce que effectivement avec ce gicleur, le gicleur 50, il est trop gros, donc quand je visse la vis de richesse, je peux la visser à fond, mais le moteur, le ralenti, il monte, donc c'est-à-dire que la carburation s'améliore, et comme je visse à fond, je peux pas faire mieux, donc gicleur de ralenti 50, trop gros, celui de 45, il y a trop de trous à l'accélération, donc il faudrait voir avec le boisseau 30 degrés, ou une aiguille différente aussi, j'en ai quelques-unes, il faut que je regarde ce que j'ai. Je pense qu'au niveau des gicleurs de ralenti, là j'ai un peu fait le tour. Peut-être que le 48 pourrait améliorer un peu, mais je pense pas qu'il va me sauver non plus. Là, le fait d'avoir mis un gicleur 65 pour compenser le fait que le gicleur de ralenti est trop gros, bon, déjà ça me plaît pas cette méthode, mais j'avais que ça sous la main. Du coup, ça fait un réglage approximatif, donc ça s'engorge un petit peu en bas régime, c'est pas terrible. Moi, au moins, j'ai pas le trou de l'accélération. Je préfère être riche que pauvre, mais bon, là, la carburation, elle est pas bonne. C'est trop riche, ça s'engorge à bas régime. À haut régime, je pense que ça va être sec. Bon, j'ai démonté la bougie, elle paraît assez claire quand même au milieu. Même si elle est grise, c'est sur la vidéo, je suis en train de regarder que c'est plus foncé. Mais en réalité, elle est un peu plus claire. On voit presque la porcelaine blanche, mais c'est quand même coloré. Enfin bon, après, j'ai pas fait un arrêt carbu, donc j'ai fait un petit tour dans la ville en rentrant des courses. Donc j'accélère, je suis au ralenti, j'accélère, je coupe. Donc forcément, la bougie, elle est pas lisible. Mais bon, ça donne à peu près. Elle n'est pas mouillée d'essence non plus, donc on voit que je suis pas trop riche. Donc il faudrait continuer à faire les réglages avec le boisseau 30, j'en ai pas, mais je l'ai commandé parce que ça fait un moment que ça m'intéressait, ça aussi. Je vais voir avec les aiguilles différentes aussi ce que je peux avoir. Et gicleur ralenti, je pense que le 45 c'est le mieux, même s'il a un trou à l'accélération, il va falloir essayer de le combler avec l'aiguille ou le boisseau. Et gicleur principal, il faudrait remonter parce que 65, ça me paraît vraiment ça me paraît pauvre. Mais pour confirmer ça, il faudrait que je fasse des arrêts carbu et que je regarde la couleur de la bougie après une ligne droite. C'est ça qu'il pourra me dire. Donc voilà, je pense que pour la suite, je vais attendre le boisseau 30 degrés, voir avec les différentes aiguilles, remettre gicleur de ralenti en 45 et repasser en gicleur principal de 68.
et voir après si j'arrive à avoir un comportement homogène, et là je ferai des arrêts carbu. Bon, je vais essayer de comprendre en même temps que vous la fonction de l'aiguille et dans quel cas un peu m'arranger. Donc aujourd'hui ce que j'ai c'est une aiguille en W6, ce que j'ai d'origine sur mon carbu 19. D'ailleurs qui est beaucoup trop riche, hein. J'ai dû passer en W7. Et W9, j'avais commandé ça aussi mais je ne l'ai jamais utilisé. Dans les commentaires on va parler aussi de la W16 aussi. Donc on va la regarder, mais je l'ai pas. Donc l'aiguille, j'ai regardé sur les documents de Del Orto. Il y a trois cotes qui déterminent la dimension de l'aiguille, donc le diamètre supérieur, donc le diamètre A, le diamètre en pointe, donc le diamètre B, et la longueur de conicité, donc la longueur C. Donc la W16 par exemple, elle a un diamètre en haut de 2,5 mm, en pointe elle fait un diamètre de 1 mm. Et sa conicité, c'est-à-dire la longueur de conicité, elle fait 24. La W7, elle a donc un plus gros diamètre en pointe. Donc on le voit, ici c'est plus fin que là. Donc là on passe de 1 à 1,4. Et la longueur de conicité, elle est plus petite. Mais pour toutes les aiguilles, je vois que le diamètre en haut, c'est le même. W9, la seule différence avec la W7, c'est la longueur de conicité. Donc on va voir ce que ça peut nous apporter. Et la W16, c'est la même que la W6, mais la longueur de conicité est plus petite. Donc du coup, la W16 et la W6 est assez proche. Donc à voir. Donc je me suis fait des petits dessins pour arriver à imaginer comment ça se passe. Donc là on a l'arrivée d'air, là on a l'arrivée d'essence par le gicleur principal. Et là c'est le puits d'aiguille qui est conique d'ailleurs, qui peut se régler, qu'on peut changer, mais bon, on va faire simple, on va garder ça. Là on a la position boisseau fermé, donc l'aiguille est en bas. Et là on a la position boisseau ouvert, donc l'aiguille est en haut. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le bas régime, donc quand le boisseau est fermé. Donc ce que j'arrive à comprendre, c'est que c'est pas vraiment la partie en bas qui m'intéresse, c'est plutôt la partie en haut, enfin la partie dans cette zone-là de l'aiguille qui va vraiment m'intéresser. Donc la longueur de conicité et bah, du coup de combien ça part à partir du bas, donc, diamètre de pointe. Si je schématise la W7, donc on a vu là une longueur de conicité petite. Elle a un gros diamètre en pointe, donc je schématise, voilà. À comparer avec la W9, donc les deux sont en position fermée, on va dire. La W9, c'est la même que la W7, sauf que la longueur de conicité est plus grande. Donc, c'est-à-dire que boisseau fermé pour les deux, le cône démarre plus haut. Donc, du coup, ici, il y a plus d'essence qui peut passer. Donc, du coup, j'enrichis à bas régime. C'est ce que je comprends. Et en haut régime, bah du coup ce sera la même chose. Donc là déjà il y a peut-être une petite astuce à faire avec la W9. Vu qu'aujourd'hui je suis en W7, que le haut régime j'arrive à le régler comme je veux parce que j'ai un petit paquet de gicleurs. Mais le bas régime j'arrive pas à le régler parce que j'ai pas ce qu'il faut en petit gicleur de ralenti. Je devrais pouvoir feinter avec l'aiguille. Peut-être la W9 à essayer. La W6 que j'ai. Comme conseiller d'ailleurs, qui est assez proche de la W7, enfin mon conseiller la W16 et elle est assez proche avec la W6, donc c'est celle que j'ai. Elles ont le même diamètre de pointe, donc ce qui fait que ça enrichit. Et la longueur de conicité, ça veut dire que la W6 est encore plus riche au ralenti. Et à haut régime, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand le boisseau est ouvert, j'ai la même pointe ici, donc ça diffuse autant d'essence. Par contre, quand le boisseau est fermé, la hauteur de conicité n'est pas la même. Donc du coup, comme ici c'est plus haut, donc c'est-à-dire que c'est la même chose que W7 et W9, hein, comme la W6 est plus haute que la W16, la W6 est plus riche à bas régime.
Donc on va essayer la W6, ça devrait encore plus enrichir que la W16 alors, à bas régime. Moi ce que j'ai bien envie d'essayer c'est la W9, parce que à boisseau fermé, là c'est simplement la longueur de conicité qui change, et du coup ça me permettra de laisser passer plus d'essence à bas régime, et donc peut-être combler ce trou à l'accélération que j'ai, avec le gicleur de ralenti en 45. Parce que le gicleur de ralenti 50 pour moi c'est trop gros, ça va pas. Donc il y a peut-être j'ai peut-être essayé la W9 alors. J'en profite pour répondre vite fait en images à quelques commentaires. Donc oui, le carburateur souple qui s'en va, c'est un problème récurrent. Et j'avais fait aussi une pâte vissée sur le carburateur pour me visser après sur un silent bloc. Et après, je venais me visser sur une patte que je fixais sur la pipe d'admission. Bon, je ne l'ai pas fait sur le Carbu 15 parce qu'il faut que je taraude ici. Je ne l'ai pas fait encore, mais je pense que je n'aurai pas le choix. Il faudra le faire aussi. Donc, pour ceux qui s'intéressent, en fait, les carbus Delorto sont. Le moule, la partie moulée est symétrique. Donc, c'est-à-dire que la vis de richesse, la vis de ralenti, elle peut être ici, comme elle peut être ici. Bon, évidemment, il faudrait percer, tarauder. Pareil, la vis de richesse, elle peut être ici, comme elle peut être à la place de ma vis là. Du coup, ça dépend si on a ça dépend de la référence qu'on a ici. La première lettre, c'est pour montage souple ou rigide, et la deuxième lettre, c'est un D ou un S, c'est droite ou gauche en italien. Donc du coup, moi, ce que je fais pour cette pâte, c'est que je me visse à l'endroit où il y a la vis de richesse, mais pour l'autre modèle. Donc du coup, ça sert pas. C'est un trou qu'il y a et qui ne sert pas parce que ma vis de richesse elle est de ce côté-là. Donc du coup, je taraude et je mets une vis et je colle au frein filet. Et du coup, j'ai une pâte qui est montée comme ça et j'ai plus qu'à monter sur la pipe et avoir une pâte déportée ici. On m'a demandé aussi dans les commentaires si avec le carburateur sans filtre, j'arrive à mettre le carter latéral. Donc pas vraiment en fait. Donc c'est-à-dire que quand je viens appuyer ici avec la vis, et bien là le carburateur y touche. Voilà, avec de la lumière. Donc le carburateur il touche, donc du coup quand il va osciller, il va racler sans arrêt. Donc du coup, deuxième question, avec un petit filtre ça passerait, ben encore moins. Par contre, je suis avec le manchon qui est assez long. On a vu le manchon Doppler, le vrai Doppler là, il est beaucoup plus court, donc il y a peut-être à gagner de ce côté-là. Mais de là à passer un filtre parce qu'on a gagné quelques millimètres avec le manchon Doppler, je pense pas. Bon, ben, la suite du réglage du carburateur dans la prochaine vidéo, dès que j'aurai l'occasion de ressortir avec la mob. Attends, dans la prochaine, salut!